Quand même incroyable, hein, parce que là je viens de terminer de dîner et j'ai vu aux infos le mec, frérot, quelqu'un lui a donné un chat, le chat il a pissé et chié, ça l'a énervé, il lui a mis une balle de plomb dans la tête et il a disséqué le chat et mis la vidéo. Hormis ça veut dire que pendant que le mec est allé chercher son fusil à plomb de fête foraine, il a ouvert le fusil, il a mis le plomb, il a refermé, il a mis en joue le chat. Tout ce temps-là, il n'y a pas un moment donné, il s'est dit, peut-être que c'est un être vivant que je m'apprête à tuer. Et après, il l'a disséqué. Vraiment, ce genre de personne, c'est ce que je vous disais, pour moi, c'est les plus dangereuses. Parce que le mec, ça commence avec un chat, demain, ça sera un humain. Frérot, oubliez pas, Luca Magnotta, Rocco Luca Magnotta, il a commencé par les chats. Hein? À la limite que tu te rendes compte à un moment donné que tu ne peux pas assumer un animal, ce qui peut vraiment arriver, et bah soit tu le donnes à un refuge ou à une association, soit tu le donnes à quelqu'un. Là, il n'y a rien, hein, il n'y a pas besoin de gueuler. Hein. Ah, tu gueules sur le whisky. C'est bien, c'est beau. Soit tu le files, soit tu le donnes à quelqu'un qui, son rêve, c'est d'avoir un animal, parce qu'il y a des gens, leur rêve, c'est d'avoir un chat ou un chien. Tu lui mets pas une balle dans la tête et tu le dissèques pas et tu mets pas la vidéo en ligne. Ça, je vous le jure, la famille, vraiment, ça, c'est le genre de personne, il passera aux humains, frère. Parce que c'est la vérité, tous les vrais tueurs fous, les vrais fatigués du cerveau, ils ont commencé par les animaux. N'oubliez pas cette histoire de le. Regardez le documentaire sur Netflix, Don't Fuck with Cats. C'est la même histoire, frère. Sauf que l'autre, ils ont mis 100 ans à l'attraper. Mais. Et encore. Désolé. Pour moi, ce mec-là, je le mets au même étage que Magnotta, frère. Magnotta, il a commencé avec des chats, il mettait ses vidéos sur YouTube, et c'est la communauté sur Internet qui a réussi à rattraper Magnotta à l'aide des flics, etc. Mais ça arrivait bien après. Donc c'est la même chose. Le mec a commencé par des chats, et ensuite, frérot, disséqué. Est-ce que vous rendez bien compte? Enfin, c'est, on n'est pas juste, tu roules en bagnole, t'as tapé un sanglier, bon, c'est chiant. Ou tu roules, t'as tapé un chat. Ça peut arriver, malheureusement, tu vois. Là, c'est vraiment, t'as pris ton fusil, tu lui as mis une balle, et t'as disséqué le truc. Il y a un vrai souci, mon ref. Ça va pas. Non, ça va pas trop. Et ça, c'est le genre de gens, je sais même pas s'ils l'ont attrapé, parce que je sais pas, moi, je mangeais mes pâtes, frérot. Mais ça, c'est le genre de mec qui doit sûrement être encore dehors, frère. Et ça, c'est le genre de mec, un jour, il va trouver une petite emboîte, il va lui faire la même chose. Incroyable. J'en perds mon Latinus. Enfin, moi, perso, demain, j'ai une portée de chat. Bon, ça peut pas arriver parce que Foufi, il a pas de femme, tu vois. Mais si demain, j'ai une portée de chat et que je donne à quelqu'un un chat et que je vois que 3 jours après, le machin, il est disséqué sur Internet. Ouais, on peut le faire venir ici et puis s'en occuper d'une vraie manière, tu vois. Un truc, tu vois, fatigant, tu vois. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. Demain, toi, tu prends un esprit de revanche, tu vas exploser le mec, c'est toi qui es dans ton tort. Parce que, ouais, il a fait que tuer un animal et vous lui avez coupé la main. Oui, mais au moins, il pourra plus disséquer, frérot. Tu vois, c'est un drôle de monde, hein, c'est quand même beau. Bon, allez, vous allez manger, vous. Ça suffit, frérot. Allez, allez, on va manger, allez, allez, on va manger, allez.